Bonjour, électronique numérique, introduction. Alors, il est possible de comparer la structure d'un atome à celle du système solaire. Le noyau de l'atome se trouve au centre, comme le Soleil, qui à sa périphérie gravite les électrons, les électrons comme les planètes. Chaque type d'atome ou les éléments chimiques possède un nombre fixe d'électrons et de protons. Cet nombre de charges au numéro atomique noté Z. Alors, les électrons de chaque atome s'organisent par couche électronique. Les électrons de chaque atome s'organisent par couche électronique successivement autour du noyau. Chaque couche électronique se situe à une certaine distance du noyau. Chaque couche située à une distance du noyau, il ne peut contenir que un nombre limite d'électrons. Ça y est, nombre limite pour chaque couche. Nombre limite pour chaque couche. Deux électrons pour la première couche, 8 pour la deuxième couche et 18 pour la troisième, etc. Les électrons se répartissent des couches les plus proches vers les plus éloignées du noyau. Alors, le noyau exerce une force sur les électrons. Alors, le noyau exerce une force très forte sur les électrons qui est très proche, mais exerce une force très faible sur les électrons qui est très loin. Alors, quand la force du noyau sur la dernière couche très faible, alors les électrons de cette couche peuvent être déplacés d'un atome à l'atome voisin. Les électrons de cette couche, la couche externe, ce sont des électrons libres, déplacés dans un atome voisin. Et on appelait cet déplacement électricité. Alors, le sens des électrons, toujours de moins vers le plus. Regarde ici bien, de moins vers le plus. Le sens aussi de la force, le sens de la force exercer le noyau sur les électrons, c'est de moins, parce que les électrons de signe moins, de moins vers le plus, aussi dans les circuits, toujours de moins vers le plus pour les électrons. Le sens des électrons, le moins vers le plus. Aussi dans la réalité, à l'intérieur de l'atome, le noyau de charge plus exercer une force sur les électrons de charge moins, toujours moins vers le plus, les électrons vers le plus, le sens de la force vers le plus.
Et c'est le sens des électrons, du placement des électrons, c'est le moi de générateur vers le plus de générateur. Mais le courant électrique, c'est le contraire, le plus vers le moins. Dans les circuits numériques, toujours 5 volts, c'est 1 et 0 volts, c'est 0. Bien. Donc, voilà, 5 volts. Un système numérique, 1 c'est 5 volts, 0 c'est 0 volts, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors, la quantité numérique toujours possède une série de valeurs discrètes. Série de valeurs discrètes. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, etc. Forme d'onde numérique. Voilà la forme d'onde numérique. C'est l'onde numérique. Alors, toujours l'onde numérique. Ici, c'est le bas. 0, 1, 0, 0. C'est front ascendant avant, front descendant arrière, impulsion allant vers le positif. C'est impulsion allant vers le négatif. Haut, bas, front A. Descendant avant, front descendant arrière, système de numération et codage, nombre décimaux octal hexadécimal. Alors, les nombres décimaux 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et hors les nombres binaires, alors c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ici c'est 10 ou 1, 0, 1, 0, c'est 1, 10. Alors, 11, après 11, 0, 0, 1, 1, directement 100, 0, 1, 0, 0. Regarde, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 10, 0, 0, 11, 11, 1, 1, directement 100, 100, 1, 100, 10, 100, 11, directement 1000. Ça y est? Alors, ici c'est 0, 1, 0, 1. Ici c'est 0, 1. Après le 1, c'est 10. 1, 0. 0, 1, 1, 1. Et c'est 1000. 1000. 8, 0, 0, 0. Ça y est? 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1. Très bien. Or, les nombres octales, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6,
7 directement à 10. Ça y est, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Pour les nombres octales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, directement à 10. Directement à 10. 7, directement à 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Pour les nombres hexadécimales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais pour le 10, on a des alphabets A, B, C, D, E, F. Très bien. Là, on passe à un changement de base. Conversion binaire décimale. Alors, exemple. Exemple. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Le signal de nombre suivant. Et 1 en haut, 1 en haut, 1, 1, 0, 1, 1, et bien. C'est 1, 1, 0, 1, 1, 0 et 1. C'est 1, 1, 0, 1, 1, 0 et 1. Très bien. Alors, pour convertir un nombre binaire, pour convertir un nombre binaire en un nombre décimal, on additionne les poids de tous les bits dans les chiffres et 1. Alors, pour 1, ici c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est 2, la puissance 0, et si on a 0, 0 fois 1 c'est 0, ça y est, mais 2 à la puissance 1, 2, à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, et 2 à la puissance 5, et le dernier 2 à la puissance 6. Ah bien, donc la valeur de 0, 1, 1, 0, 1,
et est égal à 2 à la puissance 0 fois 1 de la puissance 0 si c'est 1 plus 2 à la puissance 1 fois 0 c'est 0 plus 0 plus 2 à la puissance 2 fois 1 2 à la puissance 2 c'est 4. C'est 4. 3. 3 à la puissance 2 à la puissance 3 fois 1 fois 1 c'est 8. 2 à la puissance 3 c'est 8. 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, c'est 16, mais on a ici 0, 16 fois 0, c'est 0, plus 0, c'est 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 5, c'est-à-dire 2 à la puissance 5 fois 1, plus 32, pardon, 32, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 6, voilà les puissances, la puissance, 2 à la puissance, 2 à la puissance 6, c'est 64. Alors, 1 plus 4 plus 8 plus 32 plus 64, 109. 109 en décimal. Je répète. Alors, on va combiner 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, en haut, 0, 1, 1, 0, 1. Alors, 1 avec la puissance 0, 0. La puissance 1, 1 avec la puissance 2, 1 avec la puissance 3, 0 avec la puissance 4, 1 avec la puissance 5, 1 avec la puissance 6. Si on a d'autres nombres, avec la puissance 7, 8, 9, etc. Ici, 2 à la puissance 0, parce que c'est nombre linéaire, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6. Alors, 2 à la puissance 0 fois 1 est égal à 1. C'est 2 à la puissance 0 plus fois 1 plus et c'est plus 2 à la puissance 1 fois 0, c'est 0, plus 2 à la puissance 2 fois 1, plus 2 à la puissance 3 fois 1, plus 2 à la puissance 4 fois 0, c'est 0, 0, 1, 1, 0, etc. 1, 0, 1, 1, 0, plus 2 à la puissance 5 fois 1 plus 2 à la puissance 6 fois 1. Alors ici, on a 1, 1, 1, 1, à partir d'ici, 1, 0, 1, 1, 0, 1.
1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ça y est. Donc, 1 plus 0 plus 4 plus 8 plus 0 plus 32 plus 64 est égal à 109 dans la base décimale. 10. 109. Très bien.